les frontières soient fermées et que c'était un scandale. Ces gens, ils avaient leur permis pour passer et ils avaient l'espoir terrible. Certains étaient revenus de France pour avoir leur papier. Et c'était pour eux terrible de comprendre que ce papier, il ne leur servait à rien, en tout cas pour rentrer en France. Voilà, et parallèlement, ici, ils ont bloqué tous les trains. Donc, Vintimille était complètement isolée au niveau train, de toutes les... Même les trains qui remontaient en Italie, parce que ça passe par le petit enclave de France où on est, ils avaient tout bloqué, plus de trains. Il y avait des gens qui étaient en voyage, se sont retrouvés un peu pris en otage avec la place de la gare cernée par les CRS. Restano un po' dappertutto, è in stazione, due settimane fa a Marsiglia c'era un esercito completo di polizia nei treni dappertutto per arrestare, filtrano la gente, hanno potuto arrestare due tunisini che loro avevano la nazionalità francese, mica tanto contenti, e sì, infatti avevano la pelle scura. Il sindaco di Nizza, che è ad esempio un amico di Sarkozy, lui dice tutti i giorni non entrerà nessuno. Presque 500 policiers che sono... cerclé par ces quartiers des Tunisiens là. Ils sont fouillés toutes les maisons, toutes les chambres. Alors ils en disent que 72 personnes, mais ils sont plus que 50 personnes, plus que 150 personnes là. Et ils ont demandé de si vous aviez les papiers de séjour. Les gens qui ont les papiers de séjour à côté et les autres qui n'ont pas les papiers de l'autre côté. Alors 23 personnes qui ont eu les cartes de séjour. Les cartes de séjour italiennes, là, les permesso, ils ont le ramené ici avec les bus. Et les autres, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a donné un permis de séjour de 6 mois et avec un passeport provisoire. Et tu me laisses basculer entre deux pays. Pourquoi? Si dès le début, tu n'as pas pensé à me donner, ça sera mieux. Moi, je vis clandestin. Et je vais me débrouiller de trouver un truc, une affaire pour travailler noir. En France, si tu trouves un travail, il faut que l'employeur il te signe un contrat qu'on appelle un contrat indéterminé, c'est-à-dire pas un contrat d'un mois, deux mois, un contrat sur une année. Il faut qu'il aille à la préfecture, qu'il signe le contrat, qu'il paye une taxe de 900 euros, et après, la préfecture, elle va dire oui ou non. Par exemple, il faut que l'employeur y mette une annonce aux ACEDIC. Et si personne ne répond, peut-être, je dis bien, peut-être qu'ils te donnent. Mais c'est très, très compliqué en France, même de... Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne veulent pas tellement non plus aller à la préfecture, parce qu'il y a des gens qui travaillaient déjà au noir chez eux. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a peu d'employeurs qui vont à la préfecture faire cette démarche-là. Tu comprends? Maintenant, 6000 personnes qui ont des permis, ils n'ont pas le droit d'aller ou travailler ou trouver du travail. Quand les gens arrivent à Nice, moi j'habite à Nice, le maire il a dit personne ne rentrera à Nice, donc c'est pour te plaire. Donc dès que les gens arrivent par le train, et en plus le train, les gares en France, c'est des zones où tu peux arrêter les gens. Je veux dire, c'est des zones, tu sais, déterminées comme peut-être possible. Une zone rouge. Voilà, une zone rouge. Donc tous les gens qui arrivent par le train, les policiers les arrêtent. Normalement, on ne devrait pas arrêter les gens à la couleur de la peau. En France, c'est interdit parce que c'est raciste. Voilà. Mais ils disent qu'ils arrêtent parce qu'ils ont fait des choses, c'est pas vrai. En plus, ils leur demandent s'ils ont de l'argent, même quand ils ont de l'argent là. C'est une volonté uniquement politique. Nous sommes en train de faire une grève de faim. Et pour dire de le monde européen que nous sommes des êtres humains d'abord. Hein. Il faut s'en séparer de ça, nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Hein. Même les animaux sont élevés mieux que nous hein, dans ce moment. Ces qualités des États, moi je considère comme des États qui ne bougent pas, sauf si tu fais une réaction forte qui fait bouger les sentiments des peuples. Donc dans ce cas-là, l'État réagit. Thank you.
que vous ne pouvez pas proposer reste ici ce soir. Ce n'est pas une solution. Non, il faut qu'on organise une chose précise et plus forte que ça. On doit faire quelque chose qui doit arriver à tout le monde. Nous, on veut des solutions. On ne veut pas 6 mois de permis de séjour humain. C'est ce qu'on demande. On veut. Il n'y a personne qui nous écoute. Personne ne nous écoute. Tout à l'heure, c'était pire que là. Mais tout à l'heure, c'était plein là-bas de policiers. Ils ont mis les grilles, ils ont mis leur matraque, leur truc là. C'est pour faire une guerre. Regarde le truc dans la mer là. Qu'est-ce qu'il fout là? L'hélicoptère. L'hélicoptère en haut. C'est du n'importe quoi pour une cinquantaine ou une centaine de personnes. Ils font ça. Ah, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire en Libye là. J'ai préféré qu'on reste ici mieux que rentrer à la gare parce que c'est enfermé, moins des gens qui nous regardent ici. T'as vu, c'est, tout le monde nous voit et réagit avec nous, au moins avec leur sentiment, tu sais. Il y a beaucoup de journalistes qui sont arrivés, il y a des gens qui vont venir demain, mais eux, ils ont venu vite fait, tac tac, ils ont enlevé tous les matelas, tous les trucs pour faire montrer que c'est normal, tranquille, il n'y a pas de problème. Se ci lasciate tranquilli se ci spostiamo in una spiaggia e facciamo ne facciamo una questione sociale della città proprio, cioè una cosa straordinaria che voi ci concedete. Allora, non sta a me poter autorizzare una cosa del genere. Chi è il sindaco? Io devo riferire alla questura. E poi... Nel frattempo noi lo cerchiamo e ci andiamo a mettere. Secondo me non vi conviene. Non mi conviene. Secondo me non mi conviene. Per il momento non mi conviene fare niente. Je suis en cours de grève de faim avec mes collègues. Alors je voudrais savoir une solution pour ces permis de séjour parce que ces permis ne permettent pas ni de travailler ni de déplacer d'un pays à un autre. Tu vois? Alors je veux avoir un vrai permis qui permettre de travailler, de bouger, de circuler dans l'Europe, parce que si c'est avec ces permis de séjour, est-ce qu'on vole, on mange de la bobelle? Ça se fait pas comme ça. Et nous sommes beaucoup de Tunisiens qui veulent ça. Nous sommes presque 100 qui sont en train de faire le grève de faim là. En attendant le résultat. Parce qu'ils disent maintenant, si tu viens avec nous, là-bas tu vas prendre la langue, tu vas manger, tu vas faire douche. Moi j'ai pas fait douche, et j'ai pas mangé, et j'ai pas envie de manger parce que je veux pas rester en Italie, je veux quitter. Donc vaut mieux que tu me laisses ici. De me ramener dans un autre truc, combien je vais rester? J'ai que 6 mois, j'ai perdu un mois, donc il me reste 5 mois si je vais rester un autre mois là-bas. Et dans ce centre-là, je vais perdre ce permis de séjour. Troviamo di fronte a un blocco delle autorità francesi su cui ormai tanto abbiamo detto, tanto abbiamo protestato noi, forse se avesse protestato un po' di più anche il governo italiano non saremmo qui tutti radunati perché vi sarebbe stato consentito il transito. L'altra cosa invece è dare dignitosa accoglienza a chi vuole stare qua. Proprio per questo noi abbiamo messo in piedi un piano di accoglienza molto particolareggiato, insomma, con una dislocazione, una disponibilità all'accoglienza su tutto il territorio della regione che oggi era a disposizione solo di coloro che erano stati individuati dal Ministero e inviati in Liguria tramite la protezione civile. Una semplice questione, est-ce qu'on va vivere come dei bébé dans des maisons, come tu dis, 4 o 3 persone? Parce que j'ai des amis, et qui ne comprennent pas en arabe, ils veulent comprendre, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce qu'on va vivre comme des bébés? Nous vous donner à manger et à vivre ici tranquille. On veut travailler, nous, on ne veut pas vivre comme des bébés.
Questa dovete capire che è un'emergenza anche per noi, che quindi va costruita giorno, le risposte vanno costruite giorno per giorno. E nel darvi le risposte siamo purtroppo vincolati da una grande confusione, indecisione, a volte rigidità che arriva da parte del governo nazionale. Ma oggi io non sono in grado di dirvi se voi con quel permesso possiate lavorare o meno. Questi 60 giorni di gestione con un'accoglienza di giornate di presenza di 7.200 persone. Noi abbiamo portato il nostro supporto quotidianamente, distribuendo più di 3.000 sacchetti viveri per coloro che non si sono avvicinati al campo. C'est trop facile, la solution c'est simple, c'est trop simple, c'est que tu voilà, une petite accordation avec la France, tu acceptes ceux qui veulent rester en France et ça va se régler parce que personnellement depuis que je suis en Italie, ceux que j'ai rencontrés veulent toujours aller en France, on va dire à peu près 80% qui ceux qui vont aller en France. Una lista di tutti i ragazzi che si trovano adesso a Ventimiglia, sono più o meno 150 persone che domani verranno, perché domani chiuderà sia il centro di accoglienza che c'è qua di Ventimiglia, sia la stazione verrà definitivamente sgomberata. Sur la liste d'aller Ligurie là, elle propose que 120 personnes, mais il y en a ici, pour aujourd'hui il n'y en a que 147 personnes, mais avant ils ont promis d'avoir de logements pour 180 personnes. Et on trouve c'était une surprise pour aujourd'hui d'avoir 120 personnes et il y en a 60% qui ont échappé. Alors, on a déjà parlé avec eux dans la réunion. Ils ont enfin trouvé le logement pour 27 personnes. Ils sont séparés par plusieurs régions au nord de l'Italie. Ils me donnaient la maison et tout. Mais après, ils finissent, laisser mezzi, tout est à casa. Et demain, le centre et la gare, ça sera fermé. Et Ventimiglia, ça sera vidé du tout le Tunisien. Là. Et l'autre fois, là, le maire de Ventimiglia, elle dit dans une réunion avec le Caritas, le Croix Rouge, et si j'ai vu un Tunisien après les 6 à la gare, je vais le brûler là. Adesso, io allora, ho parlato sì. Con quelli del Dipartimento, così almeno vi dico anche che cosa hanno gestito loro, però da oggi. Niente, quindi Ventimiglia finalmente ritorna alla sua normalità, cosa che poi volevano tutti qui in zona. Questa provincia è una provincia di estrema destra storicamente, proprio con un grado di scolarizzazione bassissimo. Quindi praticamente qua qualsiasi movimento di gente che sia un pelino più scura di un tedesco è movimento di immigrazione illecita. Non vogliono negri. Come li chiamano qua, gli dà fastidio soltanto la parola e la presenza. Di mattina tutti persone con la documenti è partita, non c'è documenti, resta qua morta a strada, capito? Morta a strada, non c'è casa, non c'è niente, non soldi, non mangiare, la centro fermata, la stazione fermata, e con i miei ragazzi 5, 6, 7 così persone. Non c'è documenti, non c'è niente. Cosa facciamo? Polizia, stazione bloccata, cose. Noi vedevamo i servizi qua, cioè ci è sembrato una cosa diversa perché siamo a 100 metri e non lo sappiamo che la stazione era bombardata da milioni di poliziotti, tutti. Dico, ma che succede? E poi alla fine, perché arrivavano a flussi
hanno avuto problemi perché il loro obiettivo non era venire a Ventimiglia, era andare in Francia. Però lì i francesi hanno chiuso le barriere, ma lì ha fatto dei servizi da far paura. Io ho fatto servizio in dogana negli anni verdi, ma così non avevo mai visto. Sì. Ma i francesi, oltre a essere nazionalisti, su certi settori sono seri, nel senso che prendono le decisioni e vanno mantenute. Non ci sono vie di mezzo. Se hanno chiuso la frontiera, l'hanno chiuso definitivamente, ma lì erano proprio con i blindo, tutti dentro, non ci passava. Mi ha reagito male nel senso che appunto è dovuto a questo fatto che ci ha fatto sembrare Lampedusa e invece non è successo, cioè la città poteva andare avanti benissimo come sembra andata. La cosa più fastidiosa è stata quella di finire appunto come una città assediata, una città che invece niente di che, i primi giorni per organizzarli e poi tutto è passato, tutto lì. Con le file di commenti, tutte le persone, il va a chercher le travail, il va a fare qualcosa per vivere bene, come dice in Italia, piano piano, arriva a Milano. Moi, j'aime beaucoup l'Italie. Je vais rester ici. Tu vas rester ici? Oui. Et tu penses que tu trouves du travail, tu veux travailler? Inch'Allah. Je trouve bizarre une guerre se résoudre dans 2-3 jours. Sarkozy a dit hop, on va bombarder et tout. 6 000 permis de séjour, il n'a pas trouvé la solution, c'est bizarre. Si, je voudrais dire pour tout le monde, il faut être solidaire entre nous d'abord. D'abord entre les Tunisiens, être solidaire entre eux, être un homme. Tout le monde un homme. C'est parce que nous représentons la Tunisie et nous représentons la misère ici. La misère en Tunisie.